la plus jeune du groupe. Je m'en suis bien émue. Je sais que je suis embêtante avec mes questions, j'énerve tout le monde. Mais tant pis, j'ai le droit de savoir et de comprendre. Mes parents me manquent. Je sais que nous n'avons pas le droit d'en parler, mais j'y pense tout le temps. Où sont-ils et que font-ils? Ils doivent être morts d'inquiétude. Moi aussi. C'est pour ça que j'étais d'accord pour sortir chercher à manger. Pourquoi nous sommes obligés de rester si longtemps dans cette cave? Faut pas croire, parfois j'entends les autres en parler. Il paraît que c'est parce qu'il fait très chaud et qu'on respire mal dehors. Et aussi qu'il n'y a plus d'abeilles, plus de fleurs, plus de fruits, grand chose quoi. Et puis il y a plein de gens pas gentils qui traînent et qui profitent de la situation. Je ne comprends pas pourquoi les autres ne veulent pas jouer avec moi. On pourrait jouer à un monde meilleur et on dirait que c'est les gentils qui gagneraient. Tout est si calme ce soir. Trop calme. Tout est silencieux, on n'entend rien. C'est comme le temps qui passe. C'est vrai, c'est discret le temps. C'est discret qu'un beau jour, on se rend compte qu'il est déjà passé et qu'on a peut-être coupé quelque chose. Hier, j'étais encore un enfant. Et maintenant? Et quoi? J'en sais rien. Le temps n'en finit jamais de passer. Non, c'est bon. Tant que le temps passe, c'est que nous sommes là. C'est vrai. Et ça fait quoi un temps s'il s'arrête? Ben, c'est la fin de tout. Chut! Écoutez le silence. Vous entendez? J'entends rien. Si, il y a comme un battement régulier et un souffle. Je vous signale, c'est juste le battement de nos cœurs et nos respirations, bande de nazes. On entend tout dans le silence. C'est peut-être le silence qui nous entend. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'ils pensaient de nous, le silence? Que nous sommes trop bruyants et qu'on raconte vraiment des conneries. Ah bah, excuse-nous, le silence de vouloir encore un peu exister. Non mais, hé oh, le silence! Réponds, tu m'entends? Arrête de gueuler! Le silence ne répond jamais! Ah bah c'est facile ça, moi aussi je peux me taire! Bah vas-y, tais-toi! Ça tombe bien, tu nous fatigues! Ouais. Bah, si c'est comme ça... Ça vous arrive aussi de penser à tout ce que vous n'avez jamais réussi à dire? Moi surtout, à tout ce que je ne pourrais peut-être jamais dire. Moi, c'est ce que j'ai dit un jour et que j'ai déjà oublié. Moi? J'ai parfois l'impression que des mots meurent étouffés en moi parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le bon chemin pour sortir. Parfois, une simple parole peut mettre des années à être prononcée. Et parfois, elle ne se prononce jamais. Mais de quoi vous parlez là? Demande ça, c'est des mots, de la parole. Mais non, il parle juste d'amour, de pardon et de merci.